Salut à tous les raccoons, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du Pixelmon Kingdom en compagnie de la team rouge, opposée d'Adam38XS qui se bat déjà contre Alex. Bonjour, bravo. Yo. Bonjour, il y a Alex ici qui bonjour. Est dans y a le bonjour. Mais il y a Bull Luigi qui va arriver avec lui, c'est ça. Salut. Il n'est pas encore là mais il va arriver, vous inquiétez pas, il est là sans être là, mais il est ici. Et moi, je suis en compagnie de l'équipe du gagnant, avec moi bien sûr, donc on sera deux, logique, s'il gagne, je gagne. Alias Smo, bonjour, Smalling Ball pour les anciens, pour les intimes également. Bonjour. Donc on vous expliquera les règles de ce Pixelmon Kingdom sont en cours de vidéo, normalement. Vous les connaissez? Bah vous les connaissez. Bah, les joueurs les connaissent. Mais bon, ils devraient savoir les expliquer, mais c'est assez compliqué. Ça va être compliqué, je pense, ouais. Ouais, voilà. Vous comprendrez en fait, vous comprendrez surtout en jeu quand on le fera, parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc c'est un Fallen Kingdoms un peu modifié, très modifié, ça ressemble très peu à un Fallen Kingdoms. Ouais, bon voilà, clair, bon, par contre, arrêtez de vous battre. Et on va commencer tout de suite le premier épisode. À tout de suite. Bon, et on dira également les objectifs en vidéo. Eh mais y'a pas Boo là encore. Hein. Rafou. Non mais t'inquiète. Vous allez pas me faire start sans lui quand même. Non. En plus il faut que je me mette en ZMZO. Et Adam qui est parti. Ah non oui. Mais c'est normal, Ah bah dis, on va. Vous voulez pas attendre vous qu'il start? Oh putain. Ok, heureux. On attend. Alors, attendez les gens. Alors, tac. Bon du coup tu prendras ton coffre hein. Ce que je te propose c'est direct aller capturer 2-3 trucs. Ah, what? So, waiting. Mais t'es en combat du coup. Ah ouais. Ah mais je suis en combat. Bah c'est pas grave. Dis-leur que je suis en combat. Non mais c'est bon, ils sauront, de toute façon c'est start. Donc. Alors moi si j'ai déjà mec, j'en avais un que je voulais à tout prix, que j'ai trouvé tout à l'heure. Je vais juste aller le capturer, je sais où qu'il est à peu près. Normalement il est dans le biome là-bas. Alors je vais juste aller capturer tout de suite. Au moins on sera tranquille pour les épisodes de fight. Si je veux le dire. Alors, je crois que c'est... Alors, c'était un... Attends, je me TP à toi. Ah, Scarino. Faut que je retrouve Scarino. Du coup, le timer est lancé? Oui, oui. Bah, je pense. Demande-lui. Oula. Ah. Je crois que c'était dans les roues Fred Forest. J'en avais un tout à l'heure. Un petit Scarino. Je me fais péter, ça, Scarino. Alors, si je lag... Oh, je freeze, là, c'est un peu fait. Alors... C'est pas par là. Alors c'est de l'autre côté. Il y a pas mal de biomes sur la map déjà. Ça c'est un bon point. Alors le truc c'est que là pour donner une idée, là mon Pokémon il est mort. Mais donc, regarde, il y a un truc de heal là-bas. Au spawn. Oui. Ok merci. Bon bah je vais prendre autant que je prenne en même temps, tu sais les tout ce qui est baie. Bah tu prends dans ton coffre. Hein. Ah oui c'est vrai. Bah oui c'est mieux. Non mais ouais mais vu que je me suis TP vers toi parce que à cause du combat et je sais pas pourquoi il voulait pas se remettre à la surface mais du coup j'ai fait ok. Alors ah y a des fenards, y a des pas mal, y a des trucs pas mal ici. Mec niveau 41 direct. Ouais. C'est un peu le problème, j'ai l'impression qu'en fait t'es obligé de. Il faut que t'évolues ton perso mais bah ton Pokémon mais t'as des mecs en mode mais what the fuck quoi. Bon pff. Du coup t'as pris ton truc? Ouais. Ouais. Oh ah ok c'est ça qui faisait les dégâts. Je dirais que essayer de capturer un truc, histoire d'être pété. Le truc c'est que... Merde. Merde. On refera des balls après de toute façon. Enfin... What? Mec j'ai cru que je l'avais là. Je suis comment il s'appelle le sort de pseudo tatou? Ouais. C'est le jaune. T'sais t'as un tatou jaune normalement. Ouais je sais qui. Je sais plus. Il va one shot. Bah du coup soigne-toi Lidl hein, y a de... Non mais c'est ce que j'ai fait. Mais Lidl c'est qu'en fait j'ai fait une minute plus tard. Tac, bah du coup je vais essayer de retourner choper. Ah bah il a... c'est bon mec qui a. Bon bah moi je retourne dans la base, hein. Moi je joue dans la base. Mais y'a pas le truc de pause mec. Ah. Ah bah oui, oui. Non bah trop tard. Non tu sais pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre le command lock. Ok re, alors du coup je vais essayer de choper lui. Ouais.
Merde, il s'est barré. Putain. J'ai eu une pause de 2 minutes, le truc s'est barré. RP. Ah, du coup, t'as activé le chronomètre ? Eh bah, du coup, c'est ça et le chronomètre. Ah, non, mais moi je garde, tu vois, parce que. T'as un chrono, t'as sur toi ? Ouais, bah, j'ai mon portable. T'as lancé ? Ouais. On a 2 minutes là ? Bah, là, je suis à demi-temps. Mec, nickel, c'est ce que je voulais. Alors, j'ai un niveau 21, un niveau 55. Je vais tenter le 55. Si j'arrive pas, je te sur le 21. Il me faut. Je vais miner, hein, mec, parce que c'est ce truc que je sais faire. Ouais, non. Bah, c'est en dessous de la base, vas-y. À limite, ce que je te propose, c'est que genre, je ferai le champion. Oui, bah, vas-y, oui, parce que toi, tu connais les tactiques, ouais, moi, ouais. Je suis une merde. Je fais ça les deux premières fois et après, ce sera toi qui iras. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'on cache tout de suite ? Alors vu que normalement on doit... Cacher les achievements. Non, pas cacher les achievements, je veux dire. Parce que... Ah oui, attends, j'ai pas pris de bois, je suis con. Parce que vous le savez pas, parce que... Voilà. Safe mis comme règle normalement de... En fait, le but c'est de protéger le healer, c'est ça ? Mais non, la salle des healers, mais c'est... Ouais mais c'est quand même... C'est un annexe en fait, parce que là j'étais à épisode 8, il y aura pas d'assaut en vrai. Voilà. Donc en quid, en fait... Si on survit entre guillemets. Oui, parce qu'on va peut-être expliquer un petit peu le déroulement du jeu. Oui, alors attention, préparez-vous vos papiers, vos crayons. Alors tout simplement, là il va y avoir une phase de 8 épisodes. Avec chaque début d'épisode, un combat contre un champion des teams adverses. Par exemple, pour moi je vais devoir affronter le champion, donc genre ce sera moi cette fois on avait dit. Je vais devoir affronter le champion bleu et le champion rouge. Et quand on gagne, on peut gagner des lucky blocks, des trucs comme ça. Et voilà. Et du coup, le but, c'est quand on gagne, on va gagner des points. C'est ça le scoreboard sur le côté en fait. Mmh. Et chaque point qu'on va gagner, en gros, à la fin, c'est celui qui a le plus de points. À la fin des 8 jours, c'est les deux qui ont le plus de points qui vont rester. La team qui a le moins de points, elle va gicler. Parce qu'en fait, au 8ème jour, il va y avoir un énorme tournoi. Et celui qui aura le moins de points, bah, ça sera adios. Et en gros, bah l'équipe qui a le plus de points choisit quelle personne sera avec lui. Ouais. Donc ouais, bah à partir de l'épisode 2, du coup c'est bleu versus rouge, bleu versus jaune, jaune versus rouge, et, ouais, voilà. Et on recommence. Alors du coup, faut pas oublier de prendre les baies pour les footballs. Tu prends vraiment tout, hein, au niveau des... Bah j'ai pas pris les baies du coup, parce que bah ils sont dans... J'ai pris ceux au-dessus du coffre, mais... Non, mais tu prends vraiment tout au niveau des minerais, je te parle. Ouais, ah j'aurais dû prendre les coffres, c'est ça, puis nous faire un espace de stockage direct. Je pense pas qu'on avait le droit. Alors par contre, je bug là. Non, mais, je vais relancer le board. Ouais, on n'a pas le droit de... Voilà, on n'a pas le droit de prendre ceux de la base, justement, de tu sais, qu'on a dans le kit de départ. Non. Ça a pu... Je trouve ça un peu con. Moi je pense pas, je sais pas, il l'a pas dit. Oh mec, un starter là. Ah bon? L'air bizarre. Oh. Moi j'ai pris Erisandre. Ouais. C'est celui de la deuxième génération. Bah ouais. Disons qu'en fait, c'est techniquement c'est le premier jeu que j'ai joué dans Pokémon et que j'ai très vite abandonné, mais c'est en gros c'est le premier starter que j'ai choisi. Donc c'est pour ça. Vraiment ça nostalgie. Attends, il faut pas poser normalement les jaunes, je crois. Si si, mais on les posera après. Il faut les poser quelque part après. Un ou deux des Pokémon quand même. Ah j'en ai eu un. J'ai eu l'air bizarre justement. Donc j'ai mon premier. Alors en vrai moi j'ai une stratégie. Mais du coup ça s'appliquera dès l'épisode 8. Bah, dès qu'on sera en solo tu sais. Oui et donc bah non on sera pas en solo, on sera juste regroupé en deux. Non mais je veux dire dès qu'il y a une équipe en moins, je veux dire plutôt. Oui. Mais le problème c'est que si après on est éliminé et que j'applique la stratégie peut-être dans l'équipe inverse, bah du coup ça sert à rien. D'ailleurs maintenant j'y pense, on a le pire spawn ever. Bah on a un mec qui en a un biome désert derrière chez nous. Non on est dans un biome désert, mais du coup si on détruit, tu détruis le dessus. Non mais ça tant pis après. Ouais non mais c'est ultra chiant parce que vu que j'ai pas pour mis la cobalt et tout, c'est un peu chiant. Alors, il faut savoir qu'il y a un légendaire qui a pas de spawn, c'est Raikou, il arrête pas de spawn, donc c'est probable qu'il y en ait un qui est Raikou. Donc faut vraiment choper un type sol pour pouvoir le contrer Raikou. Oh la vache. Non, type sol c'est pas le type normal. Je vois un Pokémon mais je crois qu'il est pas légendaire. Alors pour ceux qui se demandent, la map c'était faite par moi et Rafo.
Voilà. What? Mec, je crois que j'ai un shiny. Surtout Rafo, non c'est des boss. Surtout Rafo au niveau de la construction et puis moi je me suis occupé de générer la map et tout le bordel, voilà. What? Ah ok. Ah donc si c'est un Ramolos vert, c'est normal du coup. Oui. Ok. Là je pensais que c'était genre un shiny. Si c'est shiny, tu verras des petites particules autour. Ah ok. Oui parce que je suis nul en plus. Mec, j'ai déjà niveau 23 mon Pokémon donc De base? Celui que j'ai capturé tout à l'heure là. Ah, du quartz. Mais je peux pas l'avoir. Alors. Putain c'est tellement relou le sable. Merde, ça me saoule parce que tout à l'heure celui que je voulais choper, il a despawn. Ah. C'est vraiment relou. Bon, attends, je sais ce que je vais faire parce que ce sera une solution anti-roue. Franchement c'est un petit peu insecte combat mais qui est assez fort. Alors à la limite au pire on le fera plus tard. J'ai fait des torches. Je pense que les noix brumes on va pas les planter chez nous mec, on va plus prendre celles qui sont là, ça suffit amplement. J'ai pas tellement fait gaffe s'il y avait des noix brumes à côté de chez nous. Je pense que je vais XP tout l'épisode là, et capturer, histoire d'être bon pour les combats. Je m'en rappelle plus, est-ce qu'on peut prendre du quartz à la pioche en pierre? Oui. Tu penses? Non, je pense pas. Non, non je crois pas, hein, j'ai un doute. Ah par contre, j'ai un peu peur, c'est que vu que j'ai pas pris les coordonnées à la base... Mais je reste à côté de la savane, hein, si jamais c'est rien. Non mais pour creuser en fait, tu sais, pour pas... Ah quoique, ouais, je peux toujours creuser en dehors, de toute façon, bref. Je vois qu'il y a Adam à côté. Ah. C'est bon, non? Ah non, oui. Je suis con. Donc je me dis, ça... si il spawn, je me saute sur l'occasion. Attends, j'ai quelle couche? 57. Tu peux nous rappeler un petit peu le temps de temps en temps? Oui, attends. Non, mais histoire que je sache. 10 minutes. Bah, on a 9 minutes et quelques. Et du coup, ouais, oui, on a pu le fin d'épisode, ouais. Oh, un lac d'eau. Est-ce qu'il y a un truc à... Non. Non, j'ai l'impression que c'est qu'un simple lac d'eau. J'ai pas de fer pour l'instant, ça me fait chier. Ah, pourtant, la map, mec, à partir du moment où t'arriveras dans les grottes, tu verras, les grottes sont énormes. Oui, non, mais en fait, pour l'instant, j'ai que du cool. J'ai genre masse, un, deux... Masse. Ah, ouais, mais mec, on est vachement haut, c'est pour ça aussi. Oui. Ah, parce que là, je suis à la couche 54, hein. Ça en a combien de la map? Je vais aller un peu dans la savane, écoutez. Mais franchement mec, si j'arrive à choper le Raikou, c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Et genre vraiment. Alors... C'est toujours les gens, c'est en mode... Wouah! Un Pikachu shiny! Et moi? C'est juste un Pikachu, hein, tu sais. Alors, dis-moi. 1, 2, 3, 4. Ah, ça fait vraiment 2 secondes en plus, tu mens pas. Tu mens pas à tes abonnés, ça c'est cool. Alors, des comptes vous rex. Il y a vraiment pas mal de biomes différents. Alors là, on arrive à la base rouge, hein. Vous pouvez remarquer le magnifique pixel art sulfureux. Voilà. J'aime bien, c'est qu'à la fin, en fait, ce que j'ai dû faire pour le serveur, en fait, il sert plus à rien. Ça me gaffe là parce que j'ai des trucs, je sais pas pourquoi. Moi je suis content. Moi j'ai 60 FPS. Bah le truc c'est que ça me le faisait pas avant, donc c'est relou quoi. T'as la vache, j'en ai du quartz. J'ose pas prendre le quartz mais bon. Quand j'en arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Wow, wow. 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 My God, je suis tombé dans une grotte. Oh mon Dieu. RT. Ah non mais pour donner une idée, il me reste 3 coeurs. Attends, je vais voir un truc. Je me promène, je fais un peu le tour de la map. Attends, l'équipement motorique, faut le désactiver. Ah oui, oui c'est mieux. Voilà, je te l'ai désactivé. Bon bah du coup j'ai du fer, j'ai de l'or, j'ai du diams, j'ai de l'émeraude, j'ai du quoi. J'ai un shiny. Comment? C'est là. Oh mon Dieu! Ah écoute shiny! C'est un shiny ça les gens. Oui c'est un shiny, je l'ai loupé. Ouais j'ai un shiny. C'est quoi? Arbok.
I speak English. Attends, ça, oui, c'est Arbok. Bah, tu connais pas Arbok? Bah, tu sais, j'ai joué à deux Pokémon, c'est tout. Donc, non. Oh, mec, je l'ai chopé. GG. Comme ça, on devient prédateur. Ah, bah là, mec, en plus, il est niveau 47, quoi. Ah, 47, ah oui. Bon, par contre, moi, il faudra quand même que je fasse, du coup, mes Pokémon à moi, mais... Ah si, mais elles sont là. Attends, j'allais dire, mais attends, faut choisir, faut... Bah, en fait, ça sert à rien d'avoir une épée, quand j'y pense. Ah bah là, oui, ça sert complètement à rien. Bah, ouais, quoi que... Bah du coup, mec... Alors, lui, franchement, il est sympa. Et est-ce que, du coup, vu que j'ai dit... Starbuck Shiny, en plus, et j'ai pas réussi à le choper sur ma, tu sais, mon aventure Pixelmon. Donc je suis content d'avoir ce que. Question, est-ce que je fais directement une pioche en diamant? Oui bah oui, de toute façon mec il y a masse diamant chez lui donc Putain le mec il mange sans pression. Encore normalement 6 minutes 30. C'est des MM, ah. Ça allez, allez. Placement de produit. Alors, du coup, là, les gens, Starbuck Shiny fait du bien. Hein. Du coup on fait pas de table d'enchant, on fait rien du tout. Table d'enchant, non. Non, ok. Parce que du coup j'ai tellement pas l'habitude de jouer à des modes, du coup j'en mets... Bon du coup j'ai enfin pouvoir commencer à prendre tout ce qui est... Ouais mec il va faire mal l'Arbok. Je prends les émeraudes ou pas? Ah non du coup. Ça fait du peu, non bah non ça sert à rien. Bah ouais du coup ça sert à rien. Ah ça peut être bien genre tu sais que t'échanges XXP pour avoir un bonbon ou autre. Ouais non il sert à rien de... Non mais genre les super bonbons t'en prends un mais il faut genre beaucoup d'XP quoi. Ça peut être bien. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la jungle? Et c'est une petite œuf qu'il fallait voir pour avoir les aluminiums. Ouais. Attention on aura besoin des aluminiums. Ouais bah déjà il faut l'ambil donc bah justement il faut les healers et tout donc Puis après ouais pour faire les pokéballs il nous en faudra. Heureusement que j'ai un wiki à côté de moi. Ah le mec le Arbok Shiny il est beau. Est-ce qu'on prend de l'or? Ah oh yeah en plus c'est ce que je voulais mec, j'en ai un nouveau que je voulais. Est-ce qu'on prend de l'or ou pas? Ouais vas-y éclate toi. Non mais je sais pas vu que je suis... Si, parce que pour les lucky blocks, il faut masse. Ah ok. Parce qu'on va faire pas mal de lucky blocks, les gens. Oh, j'ai une messe FTS. Alors, lui, si je peux le choper. Alors, c'est ça, c'est une attaque. What the pick. Ah. Qui fait mal, mais pas trop. Oh yeah, nickel. Mec, il est nickel, là. Normalement, je peux le choper, easy. Waiting. Ah ouais. Ah putain, je viens de penser un truc. Et je l'ai, mec, je l'ai. J'ai un deuxième ultra pété. Là, j'ai un niveau 40 et un niveau 50 limite. Ah, je viens de penser un truc. Ah bah c'est con du coup. Annoncer le code 2 minutes avant. Perso là, mec, j'ai une team pété. Ah. Mais moi, il faudrait bien qu'un jour, je fasse un petit coup. Oh mec j'ai encore un scarabouc là à la limite, est-ce que je te le capturerai pas pour toi? Bah ouais mais après il faut que t'aies un trader. Faut que tu fasses un trader pour moi. En plus il n'y a pas qu'une seule pièce à faire donc c'est encore bien. Limite j'ai plus me promener. Juste à demander. Alors. Bah je sais pas. Mec, franchement là j'ai deux badass. Attends je vais voir. Bref. Attends je vais voir quand même. Pour tu sais le. Comment ça se passe. Là je suis autour... à côté de la team bleue. Ouais la team du youtubeur quoi. Bah je suis youtubeur moi. Non je disais youtubeur parce que. Entre grandes guillemets parce qu'il est le plus abonné c'est pour ça. Attends, je suis vraiment en colère quand je...
Ah, l'arbal. La base à... Ah oui, ils ont une masse... Ils ont une masse machin, là. Trade, où es-tu? Trade machine. Ils ont une masse magrume. Oh, quand ça va, je trouve au niveau... après, il faut avoir beaucoup de d'aluminium, ouais, mais... Non, bah attends, il en faut combien? Là j'en vois 6. 6, 11, 11, 16, 16. Il en faut 26 normalement. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas l'air de se concentrer sur le. Sur l'équipe là pour le moment. Baf. Moi, de toute façon, moi je sers strictement à rien vu que je suis une bouse, donc autant que je me fasse un truc... Mais après, le truc, je pense que je descendrai en grotte, parce qu'il nous faut Mass Lucky aussi. Mass Lucky Block, c'est vachement la vie. Il me semblait avoir vu du coup de l'or, mais je sais pas, peut-être que... Oh, bah, aïe. C'était... Ouais, limite, je trouve que l'or, c'est limite le truc le plus chiant à voir. J'essaie de choper 2-3 autres Pokémon. Alors normalement il reste plus beaucoup de temps. Est-ce que c'est une attaque ça? Ok, c'est une attaque qui paralyse. Et ça c'est une attaque. Ça va bientôt être la fin de l'épisode, Alex. Ok, ok. Combien de temps? Normalement dans 1 minute. Il fallait le dire avant, ça aurait été mieux. Ah bah ouais, mais je pensais que c'était lui qui du coup qui faisait timer, tu m'avais pas dit ça tout à l'heure? Du coup je vais y aller. Je crois avoir entendu même. Bon bah du coup, ouais. Les gars, hop, on va se rendre à l'arène. Du coup, ouais, go arène. Là, j'y vais actuellement. Puis on fera le combat, les gens. Déjà. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me l'avaient demandé sur ma chaîne et sur celle de Safe aussi. Il y a pas mal qui avaient demandé sur la chaîne de Safe. De faire du Pixel One Kingdom, donc après ça il faut réfléchir pas mal au concept et tout. Il a peaufiné pas mal le truc. Ah, bon, en tout cas c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour le premier duel. A tchao.